Attendez, attendez, les Wands de la folie. Je sais que vous allez zapper la vidéo et aller à 15 secondes comme font beaucoup de gars qui matent des vidéos. Écoutez-moi 5 secondes avant de voir la vidéo. Après le visionnage, si vous avez aimé, mettez un petit Nyama pouce bleu et à mettre en hashtag Team Nyamanguru pour faire partie de notre communauté. Team Nyamanguru. Monsieur, vous faites quoi là? Bah, je suis en train de arroser les plantes, hein. Mais vous mangez des feuilles? Non, monsieur, non, s'il vous plaît, monsieur, je suis pas comme ça, moi, je suis pas herbivore, hein. Non, monsieur, s'il vous plaît. Bon, simplement aujourd'hui, là, on va aller poser des questions aux filles pour savoir quelle était leur pire expérience avec un homme jusqu'à présent, ok? Et dites dans les commentaires, bande de Nyamanguru, si vous avez eu aussi une pire expérience avec une homme ou une femme. Faut le dire, dans les commentaires, c'est important. Voilà. A plus. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Est-ce que tu es Nyamanguru? Comment? Salut, ça va bien? Ça va, merci. Ok, est-ce que d'abord tu es Nyamanguru? Non. Pas Nyamanguru? Non, je sais pas ce que c'est. Je suis un Nyamanguru aujourd'hui. Ok, ça va. Ok, est-ce que d'abord tu es en couple? Oui, je suis en couple. Ça fait longtemps? Ça va faire 2 ans. Est-ce que tu es une Nyamanguru? Je sais pas, peut-être. Ah peut-être, d'accord, ok, bon. Alors est-ce que d'abord tu es en couple? Est-ce que? Tu es en couple? Non. 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 Pas du tout? Elle oui. Ah, du coup, ça fait longtemps ou pas? Non. Genre 2 mois. Encore moins. 1 mois. Ok, ouais, un truc comme ça. On va dire que c'est une relation, mais pas encore vraiment sérieuse, on va dire. Ouais. D'accord, ok, bon. Oui. Ça fait longtemps? 5 ans. Ah ouais, quand même, hein. Ouais. C'est un CDD. CDI plutôt. Ouais, pour CDI, l'instant, ouais. Okay. Ouais. Du coup. Ah non. Ah. C'était un nom un peu hésitant, hein. Pourquoi? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Et toi, du coup? Oui. Ah, ça fait longtemps au moins? Ouais. Genre 5 ans, 10 ans, 20 ans? Non, 2, ça suffit. Oui. Ah, ça fait longtemps? Oui, ça fait 2 ans. C'est bien ça? Ouais, c'est bien. Et toi? Je sais pas. Ça fait bizarre ça, hein. Elle est en couple avec 3 garçons là, ça fait des choses, ouais, je sais pas moi. Hein. Oui. Ah, ça fait longtemps? Très. Ah, genre 10 ans? Non, moins. Ah bon, ça va. Bon. Et toi? Oui. Combien de temps? 2 ans. C'est bien, c'est bien. Moi je suis fier, hein. Je suis content là, hein. Je suis content. Bon, alors j'aimerais honnêteté. Hein. Oui. Alors, c'est quoi ta pire expérience que tu as eue avec un homme jusqu'à présent? Vraiment, celle qui t'a vraiment marqué? C'est mon premier copain en fait. Ah, son premier? Ouais, mon premier vrai. C'était pas sérieux. D'accord, ok. C'est quoi du coup la pire expérience que t'as eue, par exemple? Un truc qui t'a marqué? Par exemple, moi, c'est qu'on m'a balancé une télévision après avoir fait l'amour, elle a balancé une télévision sur moi. Ça m'est arrivé. Donc, ouais. C'est un gars qui m'appelait une fois par mois et après plus de nouvelles. Plus de nouvelles du tout? Non, plus de nouvelles. Il me rappelait une fois par un mois. Plus de nouvelles. Et le mois d'après, il me rappelait. Mais je veux dire que vous étiez en relation sérieuse ou relation... Non, pas sérieuse, mais ah bah. il me disait des belles paroles. Ah, je vois le truc, d'accord. Franchement... Par exemple, moi, c'est qu'on m'ait mordu le pénis, ça m'est arrivé. Moi, je dirais pas ma sexuelle ou... Les deux. Tout. Vas-y, tout. Sexuel, c'était un mec trop bourré qui arrivait pas à bander. Mais parce qu'il est bourré, ça... donc on parle de... Ouais, mais quand même. Et dans la vie de tous les jours, ce serait un rendez-vous Tinder... qui a rien à voir avec la tête du profil et tout ce qui va avec. Genre carrément ou genre rien à voir. Du coup t'as fait comment alors quand t'as En fait je l'ai repéré de loin parce que j'avais son numéro de téléphone. Ouais. Et j'ai vu que c'était lui donc j'ai fait demi-tour et je suis reparti. T'as pas dit bonjour ou quelque chose? Non. Un mec qui fait 1m20. Sérieux? Bah je sais pas, il était assis mais tu vois il était petit. Passe quoi. Partout hein. Passe muraille là. Non okay. Mais voilà. Celle qui m'a vraiment marqué, ouais, alors. Parce que j'en ai une qui m'a vraiment marqué. Franchement, mes relations, oui, étaient plus au pire, ou moins... une qui t'a un peu dégoûté, au pire. Dégoûté ou... voilà, tu vois. Dégoûté... une petite expérience que j'ai eue, c'était très court, hein, mais c'était un homme assez radin, en fait, et du coup... Ah, vraiment, radin? Ouais, radin, quoi. Il me laissait tout payer, sans scrupule, ouais. Mais est-ce que, genre, moi, il paye pour lui-même au moins, ou il disait... Non, il me disait de payer, ouais. Ça, c'est chaud, ça, hein. C'est qui l'a vraiment marqué, disons. À l'instant, je viens de me faire traiter de ban. Comme ça, ici, là? Ouais, juste là. D'accord, ok. Mmh. Et comment, du coup, t'as réagi par rapport à ça? Tu as mis une gifle, j'espère? Non, il était beaucoup trop impressionnant. Je suis partie. Ah, d'accord, ok. Et sinon, à part ça, au passé, il y a d'autres trucs qui t'ont un peu marqué Dans mon couple? En couple, ouais, en couple, tout ce que tu veux, franchement. Qui t'a un peu marqué, non? Hier, je fais l'amour avec un gars, mais il a pas réussi à bander. Il était bourré ou il avait fumé un petit peu ou... Ouais, mais pas trop. D'accord, ok. Et du coup, vous avez juste les préliminaires, quoi. En gros, voilà, c'est tout. Ça va pas passer, hein. Du coup. Ça va passer où? Bon, ça coupe ça après, ou bien si tu veux. Sur YouTube. Au courant, Ok, d'accord, mais le mec, je pense que bon, il est au courant qu'il a pas bandé, donc ça va, il est au courant. Ça a fait, tu vois, ça a fait. Ça a fait, voilà, ça arrive, hein. Il y a des hommes qui arrivent, ça arrive à tout le monde, hein, voilà.
En tout cas, merci à toi. De rien. Qu'il soit foutu de notre gueule. Parce que par exemple, on va dire qu'on a balancé une télé quand je faisais l'amour. Ouais. Ça m'est arrivé. Voilà. Ah ouais. Ça m'a fait mal. Non, mais moi j'ai pas eu d'expérience comme ça. Hein, pas... Mais un truc, disons, un peu qui t'a un peu marqué. Un truc qui t'a marqué récemment. Pas récemment, mais bon, dans le passé aussi. Donc, qui m'est pris pour une conne, mais après, il n'y a pas de chose en mode qui m'a lancé une télé. Qui me trompe, genre. Ouais, qui sérieux me trompe. Ouais, bah oui. Ah ouais. Ouais. C'est quoi la pire expérience que vous avez eue avec un homme jusqu'à maintenant? La pire. Alors, en fait. Dis-moi. Vraiment la pire. C'est qu'il y a vraiment dégueulasse. Waouh. Moi, par exemple, c'est qu'on m'a mordu la bite. C'était la pire expérience. Ah ouais. Ça m'a vraiment choqué. Mais mordu genre. Croqué comme une carotte. Ça m'a. Eh. Tu vois. Ouais. Et toi, du coup? C'est quoi? Sexuel ou je sais pas. Sexuel, ouais, du coup, ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Donc on y est, voilà. On est là, on est ensemble. On est là, on est là. Entre nous et tout. Voilà, on est là. Ouais, c'était un mec, on avait rien encore fait, j'étais juste déshabillée et voilà, c'était déjà. Il avait déjà. Non, t'es pas sérieuse, t'es sérieuse. C'est un Renoir, c'était un Renoir et tout, grave. Mais sérieux et tout, mais. Genre, c'était minuit et il y avait déjà. Ouais. Ah ouais. Ça, franchement, Chocan, pas pire que toi. Bah alors, un truc qui est genre un peu moins mais assez osé par exemple, non? Non. Un homme qui t'a par exemple giflé, je sais pas. Non, rien d'osé, vraiment pas. Ok. Et toi? Moi on est venu me parler juste pour la baise. C'est pas choquant? Si, c'est choquant. Ah bon? Ah bah oui. Est-ce qu'il t'a au moins dragué d'abord normalement? Il t'a dit ouais? Non, il a été droit au but. Il a dit viens, on baise. Ouais, voilà. Il a dit en gros, je veux que ça. Mais dis pas que c'est encore un Renoir, je parie. Si, c'était un Noir. Non, putain. En soirée, j'espère. Hein. Pas en soirée. J'étais à pied, il était en voiture. J'allais chez ma soeur en plus. Ah, je suis mal au ventre, sa mère, j'ai mal au ventre. Ah, monsieur, oui. Alors du coup, merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, à nous suivre sur Instagram, Twitter, nanana, compagnie et tout. Et à mettre Team Yamangoul, c'est important. Team Yamangoul, j'ai mal au ventre. Un Doliprane, s'il vous plaît.